Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'acheter des services à des personnages. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des personnages qui vous vendent justement des services. Donc moi par contre, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre près du sanctuaire, donc juste ici sur le gameplay. Voilà, juste ici, il y a un personnage qui va vous vendre des failles. Et en fait, vous allez vous servir de cette faille pour aller vers un autre personnage parce que vous allez devoir acheter deux services à deux personnages. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de venir ici. Vous achetez une faille au personnage qui se trouve juste en dessous de moi. Donc, on va attendre d'atterrir. Je vais acheter la faille et ensuite, je vais me diriger vers un autre personnage qui se trouve à Crossworld. Vous connaissez Crossworld, donc juste ici, hop. Donc là, hop, je parle au personnage. S'il veut bien parler, voilà, j'achète une faille, boum, ensuite je me dirige à Crossworld, par contre j'ai pas bien vu combien ça coûtait la faille, je pense qu'il y a moyen que ça coûtait 50, voire 100, voire 150 la faille, donc je suis pas trop sûr, mais faudra vérifier. Ensuite, enfin bref, ensuite vous venez près de ce personnage, et là vous lui achetez un déguisement, boum, et là voilà, je suis déguisé en déguisement. Donc le prix du déguisement, je sais pas combien ça coûtait. Mais ça a dû coûter ouais, une centaine, 100 ou 200 lingots d'or aussi. Et comme ça, dès que vous aurez interagi avec les deux personnages et que vous aurez acheté un service à deux personnages, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwakuloMec et ciao. Peace! Yummy, bruh.